amis, pour ma recette de onquest zoom, je vais utiliser des ngaï-ngaï, donc de l'oseille de Guinée ou encore feuilles d'hibiscus séchées. C'est une spécialité. Il existe plusieurs sortes. Il existe aussi une autre sorte de feuilles de ngaï-ngaï avec fil rouge. Celles-là sont meilleures, mais je n'ai trouvé que celles-ci. Donc c'est séché. Pourquoi est-ce que j'ai mis une passoire? Parce que je vais aller le nettoyer. Et pour nettoyer, je procède comme ça. Je mets de l'eau jusqu'à hauteur, de sorte que tout ce qui est impureté descende en bas de la passoire, tout ce qui est sable. Voilà, donc ça, ce sont nos ngaï-ngaï. Vous voyez bien que c'est séché. Ça fait du bruit, vous entendez? Voilà. Nous sommes dans notre rubrique cuisine du terroir, terroir congolais, RD Congo. Donc avant d'introduire cette recette, je voudrais insister. Une recette du terroir congolais, quand moi je décide de la reproduire, j'essaie de rester le plus proche possible de ce qui est naturel. C'est une recette ici du bandundu. Il faut savoir que dans le bandundu, il y a plein de recettes de légumes surtout, dans lesquels on ne met même pas de sel. Et c'est tout aussi bon. Donc je vais essayer de reproduire en éliminant les choses qu'on a ajoutées après, avec l'évolution. Donc, ici le seul produit que je vais remplacer, c'est le moukédi, qui sert à dénaturer, déstructurer la nourriture. À la base, c'est un produit naturel. C'est une cendre, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Et le moukédi est utilisé presque dans toutes les recettes, dans certaines parties du bandundu, pas partout. Bon, moi je peux vraiment en parler parce que mon mari est du bandundu, il est moudinga. Et chez eux, que ce soit les chenilles, que ce soit toutes sortes de plats, même les misili, on met parfois le moukédi dedans. Donc c'est un produit qui est souvent utilisé dans la cuisine. Et ce produit est remplacé aujourd'hui par le bicarbonate, qui fait exactement le même effet. En fait, nos ancêtres étaient très intelligents. Ils ont créé des produits naturels que nous, après, on a remplacés. Voilà. Et dans cette recette, je ne vais pas utiliser une autre huile que de l'huile rouge. C'est cette huile-là qui va donner le goût. Donc, s'il manque cette huile, ça ne va pas donner le même rendu. Donc, vraiment, aujourd'hui, on va essayer de respecter le terroir. On ne va pas mettre de tomates. Il y en a certains qui mettent de la tomate dans tout. On ne va pas mettre d'ail ni de feuilles de laurier. On va rester dans le basique. Je fais souvent cette recette dans le basique et c'est très bon. Donc, je vais vous présenter les ingrédients. Voilà. Pour nos ingrédients, nous aurons besoin, ici j'ai utilisé 2 poules à bouillir. Elles ont été bouillies. Là, vous vous référez à ma vidéo « Comment cuisiner pour son mari congolais ». Je montre comment je découpe. Ensuite, je fais bouillir. Ça a été bouilli dans un mélange d'oignons, céleri, ail, oignon nouveau. Et donc, après, ça a donné ça. C'est ça qu'on a récupéré, c'est le bouillon. Donc, je vais préparer avec ce bouillon. Donc, ce poulet a été bouilli. Ça a rendu cette eau. Ensuite, j'ai fait frire. Vous pouvez voir la photo de la poule à bouillir que j'ai utilisée cette fois-ci. Comme je n'ai pas pu aller à la boucherie habituelle, j'ai pris au supermarché. Poule à bouillir, c'est pas plus cher. Ça doit coûter entre 3 et 4 euros. Voilà. Ensuite, on aura besoin. Je vous ai fait une photo et une petite vidéo également. Avant de laver les légumes,
ils étaient secs, parce que dans cette recette, c'est des ngaï ngaï secs. Donc, je vous demande de vous référer à ma vidéo. Le ngaï ngaï, ce n'est pas de l'oseille. Donc, le ngaï ngaï, on peut appeler ça oseille de Guinée, mais l'oseille tout court, c'est un autre légume qu'on trouve ici en Europe. Donc, il y a le ngaï ngaï, feuille d'hibiscus ou oseille de Guinée. Ensuite, un oignon bien gros. Voilà. Un peu d'endembi avec un peu de céleri. Un piment rouge. Il vient du congélateur, c'est pour ça. À peu près 3 ou 4 bonnes cuillères d'huile de palme rouge non raffinée. De la marque Como Bio Végétal. Les autres marques, je ne vous conseillerai pas. Un peu de bicarbonate pour remplacer le moukedi. Ceci est une recette traditionnelle du Bandundu. Mais bon, j'ai déjà eu des débats avec ma belle famille. D'ailleurs, je salue le pasteur Laurent Souka, avec qui j'ai eu un débat par rapport à cette recette. Il revendique cette recette comme étant une recette de Badinga. Mais ailleurs, je vois, les Babunda réclament la recette, les Bambala réclament la recette, mais en bref, on va dire que ça vient du Bandundu en tout cas. Le nom de la recette, c'est Onkwes Zoom. Alors, Onkwes Zoom, ça veut dire quoi? Onkwes c'est Ngaï Ngaï. Zoom, séché. Ngaï Ngaï ya Oka Oka. Donc, c'est Onkwes Zoom. Je vais préparer ça aujourd'hui. Ensuite, mon mari va déguster et il va vous dire dans sa langue maternelle ce qu'il en a pensé. Bon, votre indulgence, je ne suis pas du Bandundu. Je suis de l'Équateur. Système Kakaya. Batela Libala Nayo. Donc, je cuisine les plats de mon mari. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je procède. Première étape, on va porter à ébullition le bouillon. Voilà, et on se revoit pour la suite. Voilà, donc dans les grandes lignes, je vais me rapprocher le plus possible de la recette de Onkwes Zoom. Mais c'est possible que votre tante, votre soeur, votre maman fait différemment. Donc il y a mille et une façons de cuisiner, alors je vous demande votre indulgence. Donc là, mon bouillon dans lequel j'avais cuit le poulet, il est bien salé parce que je l'avais assaisonné. C'est naturel, donc c'est le jus de cuisson du poulet. Il est en train de frémir, donc je vais mettre le poulet qui a été frit. On peut aussi le cuire au four. Voilà, on commence par mettre le poulet. On appelle tout poulet. Hein. Voilà. Je place. Quand j'ai bien tout mis, voilà. Je vais mettre les oignons. Ça ne sert à rien de mettre des trucs. Pour que ça ait du goût. C'est une recette terroir. Dans les recettes, souvent du terroir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Les produits se suffisent à eux-mêmes. L'huile de palme, ça change déjà tout. On va mettre mes légumes verts, oignons nouveaux, céleri, voilà. Ensuite, le bouillon, j'ai pas tout mis, hein. J'ai gardé un peu de jus. À la fin, je vais venir encore ajouter. C'est le moment de mettre notre ngaï ngaï. On met le ngaï ngaï. Moi, je mets pas de tomate. Il y a des gens qui ont modernisé la recette, ils mettent de la tomate, même pire encore, de la tomate concentrée. Moi non, je reste dans le thème du bled. Recette, il y a bois là, na beto. Recette, il y a bois là, na beto. Voilà. Ensuite, je rajoute le reste de bouillon. Et comme on a ici deux poules, ça veut dire en tout cas, le poids d'une poule est de plus d'un kilo. Donc j'ai décidé de mettre 15 g de bicarbonate. Parce que ça ne va, sinon ça ne va pas dominer la quantité de poule et de ngaï ngaï. J'ai aussi une grande quantité, j'ai pris double portion. Voilà, je mets ici 15 g.
Voilà, donc après, je vais venir mettre mon huile rouge. Je vais prendre le doseur, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment bien savoir à peu près combien. Je dirais que je mettrai 4 cuillères. 3. Ça, avec les 4 cuillères là, ça ne va pas vous tuer. Je répète que l'huile de palme vierge telle que fabriquée au Congo est très bonne pour la santé. Si vous ne me croyez pas, vérifiez auprès des nutritionnistes congolais. Hein, parce que, à cause des raisons industrielles, de guéguerre agroalimentaire, on a essayé de faire croire des choses aux gens. Donc moi, je fonctionne avec ma conviction. Et ma conviction est que cette huile est très bonne, surtout Congo bio-végétal. Voilà. Et maintenant, en dernier, on met le piment. Et puis ensuite, on ferme, on couvre. C'est pas comme la recette de l'imbondo ou bien légumes verts. Hein. Ça se cuit fermé. Parce que les ngaïnés, de toute façon, ils sont foncés. Donc, ils vont jamais redevenir vert clair. Le but, c'est pas que ça devienne vert clair. Le but, c'est que ça devienne, que les aliments deviennent dénaturés. Au Bandou, nous aiment bien quand les aliments deviennent... comment dire, tout est ramolli, le poulet va être ramolli, hein, on fait pareil avec les chenilles, voilà, ça va cuire tout seul, on ferme et on revient vérifier tout à l'heure. Voilà, nous sommes à mi-cuisson là, c'est sur feu vif, hein, vous voyez, comme un peu mélangé, pour pas que le bicarbonate soit seulement resté à un seul endroit. Ça évolue bien. Voilà. C'est un plat qui se suffit à lui-même. L'huile de palme a apporté de la coloration. Ça a apporté un bon goût. Le piment aussi. Il n'y a pas besoin d'aller ajouter des feuilles de laurier, de la tomate, des cubes, je ne sais quoi. On essaie de le faire dans les normes du terroir. C'est possible que je n'ai pas fait tout à fait comme les mamans du Bandundu, mais... on essaye. Moi, j'aime bien les recettes authentiques. Vous voyez ce que ça donne? On va encore laisser un peu cuire. Et ensuite, on va faire un bon foufou pour accompagner tout ça. Et la dégustation pourra se faire. Vous voyez, hein? Il faut mettre suffisamment de ngaïngaï parce que ça disparaît vite dans la casserole. Là, j'ai mis vraiment double portion. Cette recette m'a inspiré. Un jour, j'ai fait la même recette avec le poisson ngolo. Là, c'est devenu le ngolo, un kwezum, je ne sais pas trop, mais c'était très bon. Peut-être qu'un jour, je vais vous montrer ça. C'est très, très bon. Voilà. On couvre. Voilà donc, chers abonnés, chers amis, notre plat est prêt. Donc, ça va être avec du foufou, mais j'ai coupé en... ou comment on appelle cette façon de couper le foufou, en tartine. Voilà, notre encoisse c'est là. C'est le plat donc de poule avec les ngaï ngaï. Pour la partie qui suit, j'ai vraiment parlé en français, mais pour la... partie qui va suivre, ça sera en Lingala, voire en Kikongo. Voilà, bande konanga ibampangi, biloko ebeli. Donc tous ça, nous t'abandons d'undo. Awa, akomekango. Après akoloba, après ma retourne et moi bah quelques questions pour tous ça car on a besoin de ça moi bah enquête. Toyami papa nabiso, comment on est yaouili? Kotou na te, oh pani yaouili, eza yaouili. Bon comment on a commentaire, te on dena ben ambane yaouili, yaouili car. Bonjour yaouili. Bonjour maman. Pas de ma belle avoya oui. Francine, Ate. On a ma solo moussous. Maman, mamie, ça y est. Voilà. Donc, yaouili. Il y a un peu. Est-ce que recette ou. N'est-ce que tu as une couleur Couleur n'a pas de n'est-ce. Bon, comment tu as une fourchette, mais quand tu as un dosage à bicarbonate. Et simbio et simbite. Il y en a eu à l'aise. Sur le cil ici. Maman, il y a eu à l'amba.
Kana mungala yai. Esa labi mankaka bonso. Vrenge ta mudinga bia mundi ya mugunda. Na yoki. Wana na yoki na bi or bi. Yoki bien. Yoki bien. En tout cas. Parce que je ne suis pas raté, ma femme. Si vous avez une langue, vous avez une langue. 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 Open da. Si ko loba mo. Tuni nga boy. Loba mo momo ko pona bandeko baza na idiofa. Bakoza kote nini bandeko ba bali ya bloko baza kote nini. Baza na idiofa badinga na bunda. Bato ki kuit bali ya kote. Ah mun ata kuit bakolia kuna ba bunda na badinga za ka. Mo bulwe me za mboka. Bulwe me za mboka ba para na. Voilà, donc pèse moi ma beauté, le bas moi mon quoi bien, prochaine oh ils achènent, le quoi chaîne nationale, il y a pas congolais donc. Donc toi comme maman, ma papa est boué. Est boué. Est boué. Ah ouais. Ok. Yo le tout la moune. Donc je suis en train de manger. Il y a pour soutenir, Mission Moseka na YouTube. Donc, il y a son abeille, Babi Maya bien. Babi Maya boit la nabette. J'aime. Pas seulement Congo, mais boit la nabette, Boulouin, boit la nabette, Idiofa. Donc, ben tout là-bas, j'aime. S'abonner. Ben s'abonner. N'anime à cloche. Donc, activer cloche. Activer cloche. Non. Ma banga yaya wili. Bongo bana gombe. Biso na biso. Bana kalina. Bana kalina. Biso na biso. Biso na biso. No ba mame ba mama mimi etu itunime. Ba papi pongo. Basumani. Basumani. Ba kiesolo. Donga na ba kiesolo donc na zolia. Ba talangai. Na talangai na Suisse. Nazolia ngainga ina susu basa ina ndenga mboka na biso ndo na yoki sulo loboko wa mama na ngai no na kidu boko wa mama na boko wa mwasi na ngai ah to makasi na sepeli voilà bandeko donc soutenir chaîne nae YouTube émission mama Moseka donc émission Moseka bon mona biloko kitoko en tout cas bampangi. Bien soutenir Chenyai. 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 Émission Moseka. Sur YouTube. Bien t'as découvert encore. Babi Mankaka. La Kabamo. Bon, Bampangi. Au revoir. Coup d'ambote. Bon, chers amis, t'as comme une souka, Boyoki. Donc, batoba ndundo bazaki présent na pesi bino mbote, batoa kikuit, batoa idiofa, partout, bakomo mswa bamboka na ebite, na commentaire kuna soza mtoa bandundo, bakisela biso kombo, bakisela biso moi quelque chose, to yeba, comme ça, esala biso bien. Pona leo na suki awa, ya wili okene na ko continue, ko lia recette na ya boala. Emission se kamale a moderne, pesi bino. Au revoir!
to fade.